Salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Aujourd'hui au programme, je propose de découvrir quelques anecdotes surprenantes sur des animes et mangas célèbres. Allant d'un auteur traumatisé par un gabouret, un directeur qui oublie l'un des personnages principaux de sa série, et même un Pokémon nazi. Le saviez-vous ? Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, a eu l'idée d'une histoire basée sur des titans, à la suite d'une rencontre avec un client ivre affalé dans le cybercafé dans lequel il travaillait de nuit. L'homme ivre l'avait saisi par le col et était incapable d'articuler le moindre mot compréhensif, devenant soudainement une créature avec laquelle il était impossible de communiquer. Isayama raconta : « Je ressentais la peur de rencontrer une personne avec qui je ne pouvais pas communiquer. » Avant d'ajouter avec une certaine philosophie, l'être humain peut être l'animal le plus familier et le plus effrayant du monde. Le saviez-vous, la seiyuu de Shinobu des Monogatari, Maya Sakamoto, chanteuse professionnelle depuis les années 90 et qui s'est produite au Budokan en 2010, refuse de chanter des chansons de personnages. C'est pourquoi Shinobu Time et Shinobu Mel sont totalement différents des autres génériques de la série, avec un chant de style opéra à l'ambiance mystique, alors que tous les autres génériques sont chantés par le personnage principal de l'arc dans un style J-pop. On ne présente plus le personnage de Rei Ayanami, l'emblématique personnage du légendaire Évangélion, la fille calme, réservée et mystérieuse par excellence, qui a su marquer la pop culture. Personnage connu pour sa discrétion et sa tragédie, elle est toujours aujourd'hui l'un des personnages les plus populaires de l'animation. D'ailleurs, depuis le début de la diffusion d'Evangelion 1995, les fans s'écharnent entre fans de Rei et Asuka, dans une rivalité qui traverse les décennies. Et pourtant, le saviez-vous, cette popularité de Rei n'était absolument pas prévue par l'équipe de production. Le célèbre créateur d'Evangelion Hideaki Anno a lui-même déclaré n'avoir aucun attachement pour Rei. Si elle paraît si discrète, ce n'est pas pour souligner son caractère, mais juste parce qu'il lui arrivait carrément d'oublier son existence même. Se retrouvant à devoir ajouter quelques plans catastrophes en s'en souvenant, ou la zappant carrément dans des épisodes entiers. Le saviez-vous, le légendaire réalisateur Satoshi Kon n'a jamais lu le roman Perfect Blue. Non seulement il ne l'a jamais lu, mais en plus quand il a lu le scénario qu'on lui demandait de produire en anime, scénario également écrit par l'auteur du roman d'origine, il l'a trouvé totalement inintéressant. Il a tout de même accepté de le faire, mais à la condition qu'on le laisse totalement libre de faire tout ce qu'il voulait. Au final, ils l'ont juste obligé à garder trois éléments, idole, horreur, harceleur. Il ne s'est pas privé et a changé tout le reste, pour en faire un thriller psychologique perturbant. Du coup, l'un des animes qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise est une adaptation de merde. À la toute fin du dernier épisode de la deuxième saison de Higurashi, on voit Takano enfant rencontrer une mystérieuse femme qui lui demande si elle veut vivre ou mourir, que l'on identifie logiquement comme Rika adulte. Mais le saviez-vous, en réalité ce n'est pas elle, ou en tout cas pas tout à fait. Il s'agit de Frederica Bencastel, qui signe les poèmes qui apparaissent dans chaque arc du visuel novel Higurashi, ce qui n'est pas visible dans l'anime. La théorie la plus populaire veut que Frederica soit née du désespoir et des souffrances de Rika, et ressortirait lors des changements de comportement assez brutaux de Rika. En se penchant un peu plus sur l'écriture des noms, Frederica s'écrit en katanaka. De plus, dans l'arc Psychology End, Rika mentionne directement la sorcière Bencastel. Je ferais mieux de retourner vers mon existence de Rika Furude plutôt que continuer avec celle de la sorcière Bencastel. Un personnage du Mineko no Naku Colony, capable de voyager dans les lignes temporelles, qui aurait une influence directe sur le scénario de Higurashi. Frederica Bencastel serait la sorcière Bencastel, bien que les auteurs japonais laissent visiblement volontairement le flou. En résumé, ce serait Frederica Bencastel qui serait la sorcière Bencastel, qui serait un dédoublement de Furude Rika. Le saviez-vous, il existe un Pokémon nazi inspiré d'un médium juif. C'est en tout cas ce que pense Yuri Geller, un médium israélien, célèbre dans les années 70-80, prétendant posséder des pouvoirs psy. L'histoire commence en 1999, où Yuri Geller faisait tranquillement ses courses en période de Noël à Tokyo, quand il fut abordé par des fans de Pokémon lui demandant de signer des cartes de Kadabra. Pour comprendre, il faut savoir que le nom original de Kadabra est Yuri Geller. En se penchant sur l'écriture des deux noms, ça donne Yuri Geller, prononcé Yuri Geller, Yuri Geller, Kadabra donc, qui se prononce en japonais Yuri Geller.
La spécialité de Geller est également de tordre des cuillères grâce à la force de son esprit. Et Kadabra est toujours représenté avec une cuillère. Il y voit une utilisation non autorisée de son image et de son nom. Mais en plus, il voit les symboles présents sur le ventre de Kadabra comme un rappel de l'emblème des SS. Ni une ni deux, Geller entre en contact avec des avocats aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, son avocat réclame pas moins de 100 millions de dollars, environ 73 millions d'euros de l'époque, à Nintendo. De son côté, Nintendo déclare qu'aucun Pokémon n'est basé sur une personne réelle. La plainte n'a depuis pas eu de suite, mais le Pokémon se fait depuis moins présent dans les différents médias. Le saviez-vous ? Avec plus de 2500 épisodes de 24 minutes diffusés depuis 1969, Sazae-san est la série d'animation la plus longue de l'histoire. Diffusée tous les dimanches de 18h30 à 19h sur la chaîne Fuji Télévision depuis plus de 50 ans, sachant que chaque diffusion hebdomadaire est composée de 3 parties distinctes de 7 minutes, le nombre d'épisodes dépasse les 7500. C'est en 2013 que le Guinness des records l'a reconnue comme étant la plus longue série animée jamais produite, et la série est toujours en cours. En plus de 50 ans, elle n'a connu que deux périodes d'interruption, la crise pétrolière de 1975 et le Covid-19 en 2020. En commençant maintenant, ça prendrait 1000 heures, soit 42 jours non-stop pour rattraper le retard. Jusqu'en 2009, Sazae-san était également la dernière série japonaise dont l'ensemble de l'animation était réalisé à la main sur celluloïd, sans aucune assistance informatique. Autre anecdote, en octobre 2019, les seiyuu Midori Kato et Takako Sasuga ont été reconnus par le Guinness des records comme les plus longues carrières en tant qu'acteurs vocaux pour le même personnage dans une série télévisée d'animation, ayant à ce moment-là interprété leur personnage pendant 50 ans et un jour. Et à plus de 80 ans, elles sont toujours fidèles au poste. Le saviez-vous, Clannad se déroule en Irlande. C'est en tout cas ce qu'indique le titre. La raison est que le scénariste John Maeda a cru que le mot Clannad signifiait famille en irlandais, et cherchait ainsi à souligner le thème principal de l'histoire. Alors pourquoi un mot en irlandais? Eh bien ça, j'en ai pas la moindre idée. Par contre, ce que je sais, c'est que Clannad ne signifie absolument pas famille. En réalité, il s'agit de l'abréviation de Clan As Dobar. Bon, là par contre, je dois avouer que la prononciation irlandaise, par contre, j'en ai absolument aucune idée. La traduction, ça donnerait quelque chose comme la famille de Dobert. Clannad étant le nom d'un groupe de musique traditionnelle irlandais, originaire de la ville de Gaoth Dobert, dans le comté de Donegal, en Irlande. Et non, à l'époque, il n'y avait pas Google Traduction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, je verrai pour en refaire d'autres dans le genre. Alors pensez à vous abonner et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je mets les liens dans la description. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.